Bonjour, Frédéric Cadet, agence EcoDesign. J'intervenais en tant qu'expert au sein de l'attribut mobilier. Ce que je noterais cette année lors de ce colloque à Bordeaux en 2015, c'est une vraie mixité à présent de l'intervention en éco-conception avec un rapport homme-femme qui est vraiment de 50-50 à présent. Qui dénote vraiment de la désingénierisation, on va dire, du métier, mais pas dans le mauvais sens du terme, vraiment, c'est au profit, je dirais, des qualités d'usage et de la prise en compte aussi, au-delà des valeurs d'usage, mais aussi des valeurs de design. Je dirais presque une prise en compte beaucoup plus transversale du produit à présent et non plus renfermée sur un processus. Je dirais de calcul et de mise en valeur des impacts, mais davantage sur tous les bénéfices qu'apporte l'éco-conception. Et entre autres, et nous le voyons beaucoup à l'agence EcoDesign, un bénéfice dans les valeurs pour parler du service rapporté. Et puis, bien entendu, sans oublier que derrière, il y a toujours les gains, et c'est vraiment du gagnant-gagnant quand on fait de l'éco-conception et du design.